dans la ville de Miami. 20 millions de dollars de diamants vont changer de propriétaire. Une affaire intéressante pour le plus acharné des chasseurs de primes. Il y a un tas de pognon dehors. Il faut juste que je me baisse pour le ramasser. Un seul homme pouvait le suivre dans cette galère. Le premier président noir. Près de la plage, il y a des mecs qui ont fauché des diamants aujourd'hui. Je me suis retrouvé par hasard dans la camionnette des vilains. Dis-le ! Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Tu me crois pas ? Hey, t'es un escroc, tu embobines les gens pour mieux les entuber. Il veut ma photo au format A4, petite bite. Ça marche, on fait équipe. On est associé pour l'affaire des diamants, mais c'est moi le boss. Ok, partenaire. Pardon, boss. Tel boss. Vas-y, fouille dans ma poche, je vais te donner du bonheur. Rêve, j'ai pas retourné ma veste. Dans ce genre d'opération... Tire dans les pneus arrière. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. Appuie sur la pédale, fort. Le pognon. Money. Money, money. Si tu permets, je vais juste en prendre deux petites en guise de dommages et intérêts. Pose-moi ça. Et c'est pour les monter en boucle d'oreille, comme les basketteurs. Pose ça. Ice Cube. Mets la main à la poche et ferme ta gueule. Mike Epps. Ta coupe, elle a chié. En sortant de l'armée, t'as oublié de te faire coiffer. À vos ordres. Je vais me faire faire un costume en chrome pour que tu me mettes sur ta Bentley, comme ça. Money, money, money. Amène-toi, je te ferai remarquer qu'il n'y a pas d'escalier. Saute. Je te préviens, j'ai pas intérêt à me faire mal. Je te rattraperai. Saute. Oh, le con. C'est bon, t'es entier?